Saints, principes et droits fondamentaux au travail. C'est sur ce thème que le personnel évoluant dans le secteur pétrolier en République du Congo a célébré le 28 avril 2024 la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Vous avez dit santé et sécurité au travail, des mots, oui, des mots certes, mais qui ont un contenu qui peut être interprété autrement selon que l'on se retrouve d'un côté ou de l'autre. Autrement dit, quand on parle de sécurité et de santé au travail, qu'est-ce que cela signifie pour les décideurs? Voilà la première grande interrogation. La deuxième grande interrogation, quand on parle de sécurité et de santé au travail, qu'est-ce que cela représente pour un travailleur lambda? Voilà, deuxième grande interrogation. Puisque nous faisons immersion dans le secteur pétrolier, nous n'allons pas être en déphasage avec la grande question d'actualité, à savoir le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décrété l'année 2024 année de la jeunesse. Quelle peut être la contribution du secteur pétrolier au temps de grandes problématiques que nous avons évoquées sur ce plateau avec notre invité. Il s'agit du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoi, qui vient d'effectuer la ronde des sites pétroliers dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Monsieur le ministre, êtes avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau que nous avons monté dans les installations du site gazier de Litsenzeli, pour mémoire, le site gazier de Litsenzeli, c'est ici ou à quelques mètres d'ici, où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait donné le coup d'envoi le 27 février 2024 du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié, GNL, dédié à l'exportation. Et pour parler ou débattre de toutes ces questions avec Monsieur le ministre, moi, Antoine Ambenza Mokia de la Télévision nationale congolaise, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Demantez Mavungu de la télévision DRTV Pointe-Noire. À côté de lui, il y a Guy Francis Loukouamoussou de la télévision Vox TV Pointe-Noire. Cher confrère, bonjour. Bonjour Antoine. Voilà. Première question à Monsieur le ministre. Avant de nous rejoindre sur ce plateau ici, sur le site gazier de Litsenzeli, vous aviez effectué la visite des sites pétroliers à Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Votre analyse, monsieur le ministre. Alors ce matin, nous avons voulu symboliquement visiter deux sites on pourrait dire emblématiques, chacun pour ce qui le concerne. D'abord le site du terminal de Djeno, qui reçoit, qui traite, qui assure les enlèvements de 97% de la production nationale. C'est un site qui a une cinquantaine d'années. C'est un site qui vient de passer entre les mains de la République en termes de patrimoine, mais nous avons voulu assurer la continuité de son exploitation en signant un nouveau cadre juridique, un contrat d'exploitation. Nous devrions pouvoir signer cela assez rapidement. Tout est prêt pour cela. Incluant quelques partenaires, parmi lesquels la SNPC, Total Energy Congo, Perenco Congo, évidemment Eni Congo, et avec toujours comme opérateur Total Energy. C'est un site qui réunit parfois jusqu'à 1000 personnes. C'est un site qui, en moyenne, comprend environ 655 personnes. Donc la question de la sécurité et de la santé au travail est une problématique importante. Sur un site où on reçoit presque toute la production nationale, on la stocke, on la traite, pour être sûr qu'elle soit aux normes exigées par le commerce international au moment d'enlever cette production et en assurer l'enlèvement. Il y a là-bas beaucoup d'installations, des installations fixes, des bacs de réception, des bacs de produits prêts à l'enlèvement. Il y a énormément de traitements qui se fait. C'est dans un environnement aujourd'hui qui s'industrialise de plus en plus. On a la CEC qui n'est pas très loin, Litsenzeli qui n'est pas loin, la CEU qui n'est pas loin. On a quand même des populations.
Et donc voilà, c'est un site, je crois, qui est suffisamment représentatif, caractéristique de ce qu'est l'industrie pétrolière chez nous aujourd'hui. Il nous a paru pertinent d'aller là-bas, visiter, voir dans quelles conditions cette sécurité, cette santé sont préservées, parler avec les uns et les autres. Les managers, ils étaient là, non seulement ceux d'opérateurs, c'est-à-dire Total, mais aussi les sociétés sous-traitantes de services qui sont là. Nous avons écouté les uns et les autres. Nous avons aussi mis à leur disposition le message de la nation pour leur montrer que c'est une question qui est au premier plan de nos priorités. Je pourrais même dire que c'est une priorité qui vient avant même les priorités économiques, à savoir la question du capital humain, de la préservation de la santé des hommes et des femmes congolais, là où ils travaillent, de la question de la sécurité, sont largement prioritaires face aux autres considérations économiques, financières, ainsi de suite. C'était important de leur dire ça, c'est pour ça que nous sommes venus et je suis heureux d'avoir été accompagné aussi par les autorités locales, c'est-à-dire le préfet qui est représenté par son secrétaire général. Madame la maire de Pointe-Noire est venue elle-même, elle est avec nous depuis ce matin. Monsieur le maire de l'arrondissement Sis-Ngoyo, où sont implantées les installations, est là avec nous depuis ce matin. Donc c'est important de montrer que la République tout entière n'est pas indifférente à ces questions, même si nous ne venons pas souvent, nous y travaillons. Et donc j'ai vu des installations qui sont bien tenues, des installations qui, oui, se battent pour respecter les normes, se battent pour que le taux d'incidence soit le plus faible possible. Et en effet, les indicateurs montrent qu'il y a très très peu d'incidents, surtout des incidents sur l'humain, très très peu. Nous avons enchaîné ensuite avec le site de Litchendjili Onshore, c'est un Litchendjili Offshore, c'est un champ pétrolier. Celui-ci représente une deuxième problématique, une deuxième priorité, un deuxième challenge, je dirais le nouveau challenge congolais en matière d'hydrocarbures, qui est le challenge du président, qui a toujours rêvé de voir le Congo devenir un pays non seulement pétrolier mais gazier. Et ça fait des années qu'il se bat pour ça. Ça date même de l'époque qu'il était encore sur le banc de l'école. Il est venu visiter Pointe-Noire, il a vu ce gaz qu'on torchait, il n'a jamais compris pourquoi on le laissait torcher. Il a commencé à concrétiser cette volonté de développer le gaz en convaincant le groupe Eni de s'engager dans la production de gaz pour l'électricité qui est fournie, et ce gaz est fourni à la CEC. Je rappelle que la CEC produit 70% de l'électricité consommée par notre pays. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est une très bonne décision. Heureusement qu'il l'avait prise. On se demande comment on aurait fait sans cela. Mais très clairement, il a dit, il a insisté pour dire que nous ne devions pas nous arrêter là. Nous devions développer le gaz comme les autres le font. En faire une vraie industrie, un vrai nouvel écosystème d'hydrocarbures. Et nous sommes heureux d'avoir pu réaliser cela avec notre partenaire Eni. Il y a 2 mois environ, le président est venu ici inaugurer ce projet de gaz naturel liquéfié, inaugurer cela à travers le premier chargement qui a eu lieu. Et désormais, nous faisons partie du cercle encore assez fermé des pays producteurs de gaz naturel liquéfié et exportateurs de gaz naturel liquéfié pour la première fois dans notre pays. Et c'est ici à Litchendjili que l'histoire s'est construite en réalité. Litchendjili a été utilisé pour la toute première phase embryonnaire de ce projet gaz avec la fourniture de gaz à la CEC, ça part d'ici. Litchendjili a été utilisé pour la première phase du projet GNL. C'est d'ici que part le gaz qui va ensuite en mer pour être transformé en gaz naturel liquéfié. Et Litchendjili va être le moteur, le cœur de tout cet écosystème gazier piloté par Eni, en attendant que d'autres emboîtent le pas et ça ne devrait pas tarder. Eh bien, nous sommes donc au cœur du projet gaz du président Sassou Nguesso. C'était important de venir voir ici que non seulement le projet se poursuit bien, c'était l'opportunité aussi. On a vu les transformations par rapport il y a seulement 2 mois. C'était important de voir que cela se fait dans le respect des meilleures normes de sécurité et de préservation de la santé. Depuis que l'ingénierie fonctionne, j'ai été heureux d'apprendre qu'il n'y a jamais eu un incident avec arrêt de travail, c'est très important. Pas d'arrêt, pas d'incident majeur sur l'humain. Et donc voilà, cela montre que cette politique est totalement partagée et que cet exemple, ces exemples, ces 2 exemples, je l'espère, doivent être reflétés partout où on fait du pétrole et pourquoi pas, et du gaz et pourquoi pas de l'industrie en général au Congo.
Guy Francis Loukouamoussou, au sujet du thème de l'eau, vous avez de l'eau à apporter au moulin, certainement. Merci bien Antoine Mbenza. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, nous avons réalisé des interviews avec M. Nicolas Waverski, directeur général de Total Energy EPU Congo, Andrea Barbery, directeur général d'Eni Congo, Stéphane Barque, directeur général de Perenco et de quelques responsables des sous-traitances. Interview que nous vous proposons de suivre. Chez ceux, comme de manière générale, on travaille main dans la main avec nos entreprises sous-traitantes, nos fournisseurs. Il s'agit de partager ensemble les retours d'expérience d'incidents qui ont pu avoir lieu, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en œuvre un forum HSE qui est commun entre Total Energy des Congos et les entreprises partenaires, pour avoir un forum de partage et de retour d'expérience, encore une fois, qui nous permettent de nous améliorer au quotidien et éviter au maximum la survenue de nos incidents. Merci. En fait, cette journée nous permet de réfléchir sur deux composants très importants de chaque environnement des travailleurs, c'est-à-dire la sécurité et la santé. Ces deux principes fondamentaux, en fait, guident les opérations de tous les travailleurs de Eni Congo. Je me permets de rebondir un peu sur un des principes plus importants d'Eni Congo. Chacun de nous doit être un leader de l'HSE. Qu'est-ce que veut dire être leader de l'HSE? Ça veut dire toujours mettre les personnes au centre des activités et du travail. Ça veut dire être sûr que la sécurité et la santé de chaque travailleur est toujours assurée. En plus, je me permets aussi de souligner que dans un environnement de travail propre, on doit toujours considérer les travailleurs au centre dans le sens où qu'on va les valoriser. On va donner leur la possibilité de se sentir vraiment les bienvenus, sans considérer indépendant de son origine géographique, son religion et son sexe. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà pourquoi on dit toujours que chaque travailleur doit être valorisé et en toute sécurité sur le lieu de travail. La politique HSE de Perenco au Congo s'appuie sur la politique HSE du groupe Perenco. Notre vision sur le sujet est très claire. Tous les accidents sont évitables et aucun accident n'est acceptable. Pour mettre en place et atteindre cette vision, nous nous astreignons à promouvoir en permanence sur nos sites et dans notre organisation la santé, la sécurité et l'environnement comme faisant partie intégrante de nos opérations quotidiennes. Identifier les risques en amont pour les traiter et les réduire au minimum. Surveiller de manière continue nos systèmes de travail et nos procédures afin de les rendre toujours plus sûrs. Assurer la conformité de nos opérations avec les lois en vigueur dans le pays où nous opérons. Afin d'en arriver là, nous mettons en place au quotidien un environnement de travail sécurisé pour assurer des conditions de travail toujours plus optimales. Des campagnes de sensibilisation et de formation dans tous les domaines touchant à la santé et la sécurité de nos agents. Je pense notamment à la barge de formation Jean-Robert Ipé Letambe, qui a passé 3 mois au Congo en 2023 et revient à la fin de l'année. Une communication sans complaisance autour des risques et des retours d'expérience. Un reporting actif et scrupuleux des incidents et des quasi-incidents, afin d'en déceler les causes, de les résoudre et d'éviter leur répétition. Le rappel permanent du droit et du devoir dont dispose chaque agent de dire stop devant un risque qu'il identifie ou une opération qu'il ne comprend pas. Nous avons par ailleurs lancé au niveau du groupe, il y a 1 an, une initiative baptisée Work Safely qui vise à renforcer la culture sécurité du groupe. Cette initiative, axée sur la formation et le coaching de tous les agents, depuis le chef d'équipe jusqu'au directeur général, concerne plus de 300 personnes. Elle porte déjà ses fruits au Congo, comme en témoignent nos bons résultats chez eux et la bonne tenue de nos installations. Je suis fier de l'engagement et l'enthousiasme de toutes les équipes de Perenco au Congo envers la sécurité, la santé et l'environnement et tiens à profiter de cette occasion pour les remercier. De la même manière, je souhaite remercier vivement le ministère des Hydrocarbures pour sa contribution et son leadership dans le domaine. Donc, Expro a mis en place une politique de santé, sécurité et environnement et cette politique, nous l'utilisons pour toutes nos opérations à travers le monde et en particulier au Congo. Donc c'est une politique qui est signée et puis endossée par le directeur exécutif de Expro au Congo. Et
Dans cette politique, nous nous engageons à ne causer aucun dommage sur les personnes, sur l'environnement et sur le matériel. Voilà, la sécurité et la santé au travail, le thème de l'année commenté par les principaux opérateurs pétroliers de Pointe-Noire. Ce sont des images qui nous ont été proposées par la réalisation. Nous allons poursuivre cette émission avec de ma thèse de Mavungu. Vous savez que c'est un travail humain. On ne peut pas dire qu'il est à 100% sûr. Et les sites pétroliers en République du Congo ne sont pas à 100% sûrs et sains. C'est un travail humain. À vous la parole. À juste titre, Antoine, Monsieur le Ministre, il ressort du rapport relatif à la campagne incident HSE 2018-2022 dans les secteurs amont pétroliers, un total de 4237 incidents HSE, entendez, hygiène, sécurité et environnement, répartis de la manière suivante. 30% des incidents sur l'humain, 40% des incidents sur l'environnement, et 30% des incidents sur les installations, Monsieur le Ministre. Alors, quelles en sont les causes et quel est le plan d'action du ministère pour réduire ces incidents, Monsieur le Ministre? En effet, oui, nous avons été informés de ces chiffres sur cette période et pour nous, c'était important de savoir où nous en étions. C'est important de savoir quel est l'état initial dans lequel nous nous trouvons au moment où nous mettons en place cette direction hygiène, sécurité, environnement. Ce qui nous a frappé tout de suite, c'est le chiffre lié aux incidents qui concernent l'humain, 30%. C'est clairement trop. La norme, m'a dit ma directrice, c'est de l'ordre de 10%. Et je crois que nous devrions même nous battre pour être bien en deçà de ce chiffre maximal. Et donc, il y a d'entrée de jeu 20% de trop par rapport à la norme. Il y a donc probablement plus de 20% de trop par rapport à un objectif plus ambitieux pour limiter autant que possible les incidents qui touchent à l'humain. Les incidents qui touchent à l'environnement sont examinés incident par incident à travers une commission interministérielle qui fonctionne, je crois, de façon très satisfaisante, qui reporte au ministère concerné que nous sommes plusieurs, le ministère des hydrocarbures évidemment, le ministère de l'Environnement, mais aussi bien sûr le ministère de l'Industrie qui suit ces questions et qui traite des questions des normes à travers la CNORP. Et l'analyse de ces incidents amène en général très très vite à une réaction, à un traitement très précis, très concret avec un plan de résorption. Et généralement, nous suivons ça de très très près, y compris au plus haut niveau. Et il arrive que le Premier ministre s'en saisisse et mette en place une cellule de crise à son niveau s'il estime que la question qui se pose le justifie. Et autrement, ce sont les ministres qui agissent directement sur leurs collaborateurs qui sont ici localement. Cette commission est placée sous l'autorité du préfet. Y participent évidemment les maires, la maire centrale, les maires d'arrondissement concernés. Et si c'est dans le Kwilu, les sous-préfets y participent directement. Mais nous y faisons participer autant que possible les populations à travers les chefs de village quand c'est dans le Kwilu. Et donc ces questions d'environnement, elles sont traitées assez rapidement et nous battons pour que les mesures de correction soient prises, le suivi évaluation soit amélioré, mais surtout que les moyens d'intervention immédiats soient les plus pertinents. Ils sont assumés pas par l'État, ils sont assumés essentiellement par des compagnies privées qui sont agréées principalement par le ministère de l'Environnement et aussi par nous. Donc ces questions sont, je crois, l'objet d'un traitement très précis. Les incidents liés aux installations relèvent de la compétence des sociétés, mais nous sommes extrêmement exigeants là-dessus. Nous avons eu un incident sur un pipe par une compagnie, je ne veux pas la citer, ce n'est pas utile, pas très loin d'ici. Et je ne sais pas combien de voyages j'ai fait moi-même, combien de voyages ont été faits par la ministre de l'Environnement, combien de voyages ont été faits par la directrice hygiène et sécurité de l'environnement, par le directeur général Lamont, pour traiter la question. D'abord, pour arrêter rapidement l'incident, intervenir sur le pipe, pour décider de la solution de transition,
et très rapidement faire le choix de la solution définitive. Je crois qu'aujourd'hui, ce pipe a été remplacé et donc j'espère que cet incident n'aura plus jamais lieu. Mais c'est la responsabilité des sociétés pétrolières. C'est parfois le cas aussi pour les questions liées à l'environnement. Mais pour ce qui concerne les installations, c'est leur responsabilité. Leurs process doivent être organisés de façon à prévenir ce genre d'incident, à générer une réaction immédiate de systèmes de protection. Ils sont supposés en avoir partout. À déclencher un processus de retour d'expérience pour comprendre ce qui s'est passé et en tirer les leçons. Donc, c'est leur responsabilité. Monsieur le ministre, vous savez, les émissions qui ont trait au secteur des hydrocarbures, ce sont des émissions qui augmentent l'audimat au niveau des chaînes de télévision parce que, si je prends le cas de la République du Congo, le pétrole, le secteur pétrolier, reste le pouvoir d'acier, le pourvoyeur, le principal pourvoyeur des caisses de l'État. Et donc, comme tel, il y a des attentes à l'endroit du secteur pétrolier. Certainement que les jeunes attendent quelque chose. Je me retourne vers Guy Francis. Vous avez une question à ce sujet. Monsieur le ministre, vous avez activement pris part aux côtés du chef de l'État et du Premier ministre à la cérémonie de démarrage de production du gaz naturel liquéfié, GNL. C'était le mardi 27 février de l'année en cours sur ce site de Litchendjeli à un jet de pierre d'ici. Dans votre allocution, monsieur le ministre, vous avez précisé que ce projet tant attendu est synonyme de création de richesses, de croissance économique additionnelle, de diversification de notre économie, mais aussi synonyme de création d'emplois directs et indirects. Monsieur le ministre, les emplois directs et indirects générés par ce projet sont-ils à la portée de tous les jeunes ou réservés à une certaine catégorie de gens? Monsieur le ministre. Écoutez, 5 milliards de dollars d'investissement, ça ne peut que générer mécaniquement, automatiquement, de la richesse. Et s'il y a de la richesse, il y a forcément création d'emplois. Donc, dès l'instant où un tel investissement est engagé, il y a des entreprises. Nous avons eu l'occasion, ici, sur le même lieu ou presque, d'assister à la signature d'un pacte de sécurité réunissant toutes les sociétés engagées dans ce projet, sociétés de droit congolais, sociétés étrangères, le nombre était impressionnant, impressionnant. Chacune de ces sociétés, qui peut-être n'avait plus du tout de travail, ou qui avait du travail, mais qui retrouve un travail supplémentaire, dans la plupart des cas, est obligée d'embaucher et de recruter. Et donc cela crée des emplois directs. Mais Eni elle-même ne pourra pas aborder un projet aussi important, à la fois dans la première phase, la deuxième phase, sans que cela ne génère des besoins de compétences nouvelles. Vous savez, le gaz, c'est un nouveau métier pour le Congo. Pour d'autres, c'est une longue histoire, mais nous, c'est un nouveau métier dans lequel des compétences nouvelles sont exigées. Bien sûr, Eni s'est appuyé fortement sur les compétences existantes pour capitaliser leur expérience, pour capitaliser leur savoir et leur savoir-faire. Mais a dû les former au gaz, mais ne pourra pas déshabiller Pierre pour habiller Paul tout le temps. Il verra bien un moment où il faudra un apport plus frais, un apport de compétences nouvelles pour pouvoir prendre en charge ce projet pleinement, qui est un projet qui s'étend depuis l'amont, c'est-à-dire qu'il y a de l'appréciation, ce qu'on appelle en matière d'exploration d'appréciation, c'est quand on va vérifier l'étendue, les réserves d'un champ pétrolier qui est déjà connu, qui va se traduire en forage, qui va se traduire en développement, qui va se traduire en exploitation de champs gaziers pétroliers nouveaux, qui se traduit par cette usine ici, qui se traduit par des choses nouvelles comme la liquéfaction en mer, par un premier bateau de 600 000 tonnes, puis par un deuxième qui va arriver bientôt, de 2,4 millions de tonnes. On ne peut pas aborder tout ça sans que ça ne génère quelques emplois. Mais il y a tout l'effet multiplicateur d'un tel projet sur l'écosystème, ne serait-ce que du bassin économique et industriel de Pointe-Noire du Cuilou. Évidemment que forcément, il y aura beaucoup de petites entreprises qui vont avoir plus d'emplois, ne serait-ce que le gardiennage, le transport et ainsi de suite, mais aussi tout le reste, le catering, mais aussi le besoin en logement de tout le personnel qui arrive.
Moi, j'ai vu un hôtel plein parce qu'il y avait 40 personnes qui arrivaient pour le projet Congo JNL. Et ils m'ont dit qu'il y en a peut-être 250 qui vont arriver encore pour ce projet. Eh bien, écoutez, ça fait 300 personnes environ. Et si jamais ils viennent en famille, et si chaque famille a 2-3 personnes, on est à près de 1000 personnes. 1000 personnes qui vont avoir besoin de domestiques, qui vont avoir besoin de cuisiniers, qui vont avoir besoin de bonnes, qui vont consommer. Et le fait que ces personnes consomment, ça veut dire que quelqu'un va vendre plus que d'habitude. Un boucher, un poissonnier, un boulanger va vendre plus que d'habitude. Et donc peut-être qu'il aura besoin d'un emploi de plus, et ainsi de suite. Eni a engagé toute une étude pour mesurer l'impact en termes de création d'emplois de ce projet. Et nous attendons les résultats. Ils l'ont fait faire par des universitaires, par une université. De notre côté, nous allons aussi évaluer. Nous avons désormais dans notre organisation un directeur général de l'économie, de l'audit du trading pétrolier. Et au sein de cette direction générale, il y a une direction du contenu local. Nous avons une conseillère au contenu local. Les deux ensemble doivent me dire ce que ce projet a apporté en termes d'impact local. Et l'impact local inclut bien sûr les emplois directs et indirects. Donc, dans quelques temps, il y a encore une deuxième phase qui arrive. Nous serons capables de dire si oui ou non ce projet a bien réalisé les espoirs qu'on a placés en lui en termes d'emploi. Et croyez-moi, s'ils ne sont pas satisfaits, nous le dirons à Eni et ils devront nous expliquer pourquoi ils ont utilisé moins de Congolais là où c'était possible d'utiliser Congolais, pour utiliser plus d'expatriés. Ils devront nous expliquer et si nous ne sommes pas convaincus, nos lois permettent de prendre des mesures de coercition. Monsieur le ministre, vous aviez organisé les 21 et 22 mars de l'année en cours la table ronde sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Cette première édition a mis en lumière le faible taux de participation des entreprises et travailleurs congolais dans les activités pétrolières et gazières. Quelle est, monsieur le ministre, la stratégie mise en place pour corriger ce dysfonctionnement? Alors, je vais corriger ou nuancer. Mise en relief la faible participation des travailleurs congolais? Non, ce n'est pas ce que nous avons dit de plus fort. Nous sommes ici, évidemment, la plupart des travailleurs sont congolais, aussi bien chez Eni que chez les sous-traitants. La majorité, évidemment. Nous étions chez Total ce matin, évidemment, la majorité des travailleurs, ce sont des Congolais, et ainsi de suite. Qu'il n'y en ait pas assez, oui. Qu'on cherche à aller plus loin, oui. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit même pas d'obtenir qu'il y ait du volontarisme et de l'engagement des sociétés pour fournir le maximum d'emplois congolais. Encore faut-il trouver les Congolais en question. Et donc ça pose le problème de l'adéquation entre les emplois disponibles et les compétences disponibles. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui cette adéquation soit au top. Nous devons travailler pour que les besoins des entreprises correspondent aux offres de formation, aux offres d'enseignement du système éducatif national, et pas seulement pour les hauts diplômés, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, mais y compris pour tous les métiers dont l'industrie a besoin. Je vais vous prendre deux exemples. Il est impossible d'imaginer un projet industriel en général, un projet pétrolier, sans les grutiers. Où est-ce qu'ils sont formés? Comment on fait pour trouver un grutier qui a la certification exigée? Moi, je suis ancien ministre d'enseignement supérieur. Je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas du niveau supérieur. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'il y ait des structures correctement organisées pour garantir à toute une qui vient ici de trouver des grutiers. Alors parfois, quand ces grutiers ne sont pas congolais, beaucoup s'en émeuvent. Je crois que l'entreprise Bolloré, qui est au port, a dû former des grutiers parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Deuxième exemple, très simple. La soudure, et on dit aussi en matière industrielle, le soudage industriel. Il en faut, dès qu'il y a de la métallurgie quelque part, on fait de la soudure et du soudage. Où est-ce qu'on forme les soudeurs industriels de haut niveau? C'est un métier dont les meilleurs sont parfois très recherchés dans des domaines aussi sensibles que l'aéronautique, sont très très recherchés, mais ils le sont aussi, bien sûr, dans le domaine pétrolier. Où est-ce que nous formons les soudeurs? HQ,
hautement qualifiés ou TSQ très hautement qualifiés. Ce n'est pas certain. Donc, si parfois on est étonné de voir que ben, l'entreprise était cherchée ailleurs, un grutier ou un soudeur hautement qualifié, il faut se demander avant de réagir, est-ce que nous en avons ? Donc, il y a une grande responsabilité qui est largement partagée par le gouvernement, par notre système éducatif en général, notre système de formation qualifiante en particulier, mais aussi j'interpelle les entreprises pour qu'elles puissent y participer activement. C'est leur intérêt à ce qu'elles puissent trouver dans l'environnement industriel congolais toutes les compétences qu'elles recherchent. De ce point de vue, je pense qu'il y a quelques progrès à faire. Donc ça, c'est pour l'axe améliorer la participation des travailleurs congolais à ce dividende, à cette valeur ajoutée apportée par les nouveaux projets. Maintenant, quant aux entreprises, on vient de parler d'entrepreneuriat. Donc, il faut que les Congolais, on l'a dit à la table ronde, il ne faut pas que les Congolais aient peur de s'engager dans l'industrie. Il ne faut pas que les Congolais se contentent de fournir du papier, de faire du bâtiment, de faire des hôtels, de faire des restaurants, de faire des salons de coiffure. Il faut qu'ils s'intéressent à la première industrie nationale qui est le pétrole. Et ce n'est pas parce qu'elle a pointe noire qu'elle ne doit intéresser que ce soit en pointe noire. N'importe quel Congolais peut venir ici voir ce qui se passe. S'il a des idées, il a des compétences. Nous encourageons l'émergence de start-up pétrolières qui vont apporter des petits services, des créneaux, trouver des niches dans lesquelles elles peuvent être les meilleures dans les services à apporter, dans le domaine du numérique. Les Congolais sont passionnés, ils sont compétents, mais ils le font pour beaucoup de choses. Est-ce qu'ils le font suffisamment pour le pétrole? J'en suis pas convaincu. Donc, il y a une mobilisation nationale, je pense, qu'il faut organiser autour du secteur pétrolier. Cette mobilisation inclut, encore une fois, le gouvernement, bien sûr, qui fait ce qu'il peut à travers le FIGA, à travers un certain nombre d'instruments, l'Agence congolaise de création d'emplois, et nous voulons voir création d'entreprises, nous voulons voir les entreprises créées en 24 heures demain, ainsi de suite. Mais nous travaillons avec les chambres de commerce, avec les unions patronales. Mais voilà, il faut que les industriels de demain, les capitaines industriels de l'industrie congolais, il faut peut-être qu'il y ait un tout petit peu de bonne volonté nationale pour cela. Et ça nous aidera, nous, à dire aux sociétés, mais vous voulez confier à une société étrangère telle tâche, mais il y a un Congolais qui sait faire ça. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Pourquoi vous voulez aller à l'étranger? Et voilà. Et cette problématique qui travaille, pas de longue haleine, mais nous avons, à la sortie de cette table ronde, pris la décision de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de toutes nos résolutions et nos engagements. J'espère que sur 2-3 ans, réussira à changer le mindset, le logiciel mental des Congolais face à cela, et puis améliorer le doing business congolais en matière d'industrie pétrolière et de participation des entreprises. Donc, c'est beaucoup de travail. Oui, monsieur le ministre, pour prendre appui sur votre interpellation, les Congolais à créer des entreprises dans l'écosystème pétrolier, nous sommes d'accord, puisque la thématique ou le sujet développé par Francis Lukwamoussou a trait aux emplois en faveur des jeunes Congolais. Monsieur le ministre, le 27 février dernier, en donnant le coup de voie de l'exportation de la première cargaison du gaz naturel liquéfié, le président de la République a fait basculer le Congo dans une espèce de révolution du secteur pétrolier. Maintenant, sur la base du texte que vous avez proposé en Conseil des ministres, Wingwa s'engage aussi sur la voie du traitement ou de l'exploitation du gaz naturel liquéfié. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez mûri la question, vous avez fait des simulations en ce qui concerne les attentes au niveau de l'économie et des jeunes Congolais, monsieur le ministre? Alors, merci d'aborder ce deuxième projet gazier congolais. Le premier a soulevé toute la satisfaction que nous avons exprimée. Et j'espère que cette satisfaction est partagée par l'ensemble de la nation, de l'opinion nationale, de voir enfin le Congo devenir un pays producteur, exportateur de gaz naturel liquéfié. C'est une dimension nouvelle dans laquelle nous entrons. On est très heureux de voir que Wingwa emboîte le pas avec un deuxième projet gazier. C'est du gaz associé, c'est pas très loin d'ici, c'est en onshore. Et ce projet est très très avancé. Le contrat de partage a été adopté lors de la dernière, l'avenant au contrat de partage a été adopté lors de la dernière session extraordinaire du Parlement, Assemblée et Sénat. Et donc aujourd'hui, tout est en place pour que ce projet
puisse se réaliser. Une première phase devrait être achevée au cours du prochain trimestre, du troisième trimestre de cette année. Ensuite, il y a une deuxième phase et une troisième phase. Ce projet est essentiellement tourné vers le marché intérieur, avec énormément de transformations qui sont prévues. L'essentiel du gaz sera transformé. L'essentiel des produits issus de la transformation sera mis à disposition du marché et des populations congolaises. Ça ouvre énormément d'opportunités d'affaires pour ceux qui pourraient s'y intéresser. Et là, nous allons lancer une vraie campagne de sensibilisation pour mobiliser tout jeune Congolais désireux d'entreprendre à s'intéresser à toutes les possibilités qui seront ouvertes finalement par ces deux projets, par le projet ENI et par le projet Wingwa. Il y a des dividendes importants à retirer à tous les niveaux. Bien sûr, l'État, il y aura des revenus directs. Il y en aura déjà avec le projet ENI. Nous avons mis au budget cette année 29 milliards de CFA qui pourraient provenir des ressources tirées de la production de GNL. L'année prochaine, ça devrait augmenter, comme je l'ai déjà dit. On devrait avoir donc les mêmes effets pour ce qui concerne le projet Wingwa. Et donc, c'est un projet qui a mobilisé le Parlement. Quand on leur a expliqué de quoi était fait ce projet, ça a mobilisé l'enthousiasme à la fois de l'Assemblée et du Sénat. Et donc, oui, le Congo est attentif à tous ces projets. Comme je l'ai dit, j'espère qu'il y aura un troisième, voire un quatrième. Nous y travaillons déjà. Et ainsi, en plus de l'effort qui est fait d'augmentation de la production de pétrole liquide, il y aurait donc cette ressource nouvelle qui apparemment va des crescendo, qui vient s'ajouter au pétrole liquide pour continuer à conforter la position en attendant que la diversification porte ses effets, la position des hydrocarbures chez nous, et que cela apporte les ressources dont le président a besoin pour mettre en œuvre son projet de société, que cela apporte les ressources dont le pays a besoin pour se développer, que cela apporte des opportunités pour amplifier le secteur privé congolais. La diversification est synonyme de développement du secteur privé congolais. Ce n'est pas pour développer le secteur d'État, c'est le secteur privé congolais qui doit être, comme on disait à l'époque, le fer de lance de la diversification. Là, il y a l'opportunité à travers le gaz. Et ces projets devraient apporter des opportunités d'emploi, évidemment, mais aussi des opportunités d'entreprise par les jeunes. Et comme je l'ai dit, nous ferons peut-être une campagne là-dessus. Le Parlement a envie de nous accompagner, on sera très heureux de les associer. Et on associera les élus locaux, les élus nationaux donc pour cela. Donc voilà, c'est plus qu'une attention. C'est la matérialisation progressive d'un rêve de quelqu'un, d'un projet, d'un nouveau challenge qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Je vais jumeler les deux dernières préoccupations. Quand on parle exploitation pétrolière jusque-là dans notre pays, tous les regards se tournent vers Pointe-Noire ou le département du Cuilo. Je crois que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, Pointe-Noire mérite quand même une école pour former les cadres dans le secteur pétrolier. Est-ce qu'il y a des perspectives dans ce sens-là? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quand on visite le personnel du secteur pétrolier, on se rend compte de la prédominance des hommes. Est-ce que vous pensez envisager équilibrer les équations ou les questions de genre pour encourager quand même la jeunesse féminine dans ce secteur d'activité? Nous avons hérité d'un système éducatif qui est essentiellement fait d'accumulation des connaissances qui ne nous a pas forcément préparé au métier dont le développement a besoin. Nous avons du mal à sortir de cela, malgré la volonté du président de promouvoir la formation qualifiante. On est encore loin du compte. De promouvoir la formation professionnelle, on est encore loin du compte. Et même si les universités ont choisi le système LMD, dont l'un des objectifs est la professionnalisation des enseignements, on est encore loin du compte. Cette adéquation formation-emploi, dont le président a fait un de ses chevaux de bataille depuis deux mandats, on est encore loin du compte. Et dans le secteur pétrolier, évidemment, cela se ressent.
malgré de nombreuses initiatives. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. L'UNSP, l'université Marie Ngouabi, il y a une filière pétrolière, mais elle n'est pas suffisante pour répondre à tous les besoins en compétences. La faculté des sciences et techniques bat des records d'affluence au niveau des filières géologie et géophysique, mais ce n'est toujours pas suffisant. L'université de Nice Sassou Nguesso a prévu en son sein un institut ou une école qui s'occupera entre autres de pétrole. Cela n'a pas encore démarré, mais avec la coopération vénézuélienne, cela devrait pas tarder. Actuellement, l'université travaille activement au démarrage de cette école qui devrait traiter de la formation pétrolière. Ici à Pointe-Noire, l'université future de Luango comprendra en son sein une école pétrole, du gaz, des mines et de l'énergie, mais elle n'a pas encore démarré. Elle envisage de démarrer en octobre 2025. L'université de Liambo devrait aussi prévoir en son sein une filière pétrolière. Quelques universités privées prévoient des programmes, l'UQAM ou d'autres, qui portent sur le pétrole. Malgré toutes ces initiatives, l'ensemble de cette offre de formation n'est pas suffisante à répondre aux besoins en compétences du secteur hydrocarbure, surtout dans cette dynamique d'augmentation de la production liquide, gazière. Visiblement, nous devons résoudre en urgence ce problème. Donc, vous avez raison de poser la question. Au niveau du ministère des hydrocarbures, nous travaillons sur plusieurs pistes. Nous travaillons sur 3 ou 4 pistes. La première, c'est de mettre en place un partenariat avec l'IFP français, l'Institut français du pétrole, qui a 2 composantes. IFP Training, c'est la formation continue, le recyclage, et ainsi de suite. Et l'IFP School, qui est la formation diplômante. Nous travaillons, et j'espère qu'assez rapidement, on aura un accord pour relancer la formation, mais une formation extrêmement ciblée. Et cela passera forcément par un dialogue riche avec les compagnies pétrolières, les opératrices, les sous-traitants, qui doivent nous exprimer de façon précise leurs besoins en compétences, et pas seulement universitaires. J'ai parlé du grutier, du soudeur, ça doit aller jusque-là, mais ça doit aller jusqu'à l'opérateur, au technicien supérieur, et ainsi de suite. Nous travaillons, deuxièmement, pour renforcer notre coopération avec l'Algérie. Nous devrions recevoir le mois prochain, si tout va bien, nous y avons été nous-mêmes, la SNPC ensuite, l'université de Luango, l'équipe de développement a été là-bas, le ministre algérien de l'énergie devrait arriver ici le mois prochain. Nous espérons nous allons signer un accord dont l'une des principales ambitions est de reconstruire notre coopération avec ce pays en matière de formation et d'enseignement. Je préfère dire les deux choses parce que pour moi, les deux sont différents. Nous sommes en train de travailler de concert avec le projet université de Luango. Le Premier ministre nous a demandé de nous considérer comme parrain de l'école de pétrole, gaz et mine énergie. Donc, nous travaillons étroitement, nous allons mettre en place une équipe. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps pour être sûr que cette fois-ci, nous ayons la parfaite réponse aux besoins en compétences. Qu'on ne forme pas des gens qui seront très bien diplômés, peut-être mention très bien, major de promotion, mais ils ne trouvent pas de travail. Parce que sa spécialité ne correspond pas à ce que les compagnies recherchent. C'est le paradoxe que nous vivons dans beaucoup de cas, mais notamment au niveau pétrolier. Nous allons faire la même chose avec l'Université de Liambo. Mais, in fine, nous avons un projet que nous voulons développer nous-mêmes, l'Institut africain du pétrole et du gaz, qui ne viendra pas en concurrence, en redondance avec ce qui existe, par la connaissance que nous avons déjà des besoins en compétences qui ne sont pas couverts, pas pourvus, par le résultat du dialogue que nous aurons avec les compagnies pétrolières. Nous espérons qu'avec les compagnies pétrolières, et c'est ça l'idée de ce projet, ce sera le projet du partenariat entre l'État et les compagnies pétrolières, qui, je l'espère, seront actionnaires de ce projet, parce que ce sont elles qui sont les consommatrices des compétences en question. L'État se dépense, se bat pour former les gens. Qui est-ce qui consomme ces Congolais? Ce sont les compagnies. Donc il est quand même normal qu'au-delà de la taxe d'apprentissage, puisque maintenant elles n'ont plus de centre de formation, puisqu'elles envoient de moins en moins des Congolais se former à l'étranger, eh bien ensemble,
nous allons essayer de développer cet institut qui apportera les réponses là où ça n'est pas fait par ce qui existe. Et ça ira du niveau d'opérateur jusqu'au niveau supérieur de formation, ingénieur, docteur, ainsi de suite. La dimension genre, écoutez, nous avons un point focal genre au ministère. Nous avons une ministre qui est extrêmement dynamique sur le sujet. Il va falloir que nous nous mettions au travail pour comprendre pourquoi, alors que dans les matières scientifiques, dans les premières années à l'université, dans les dernières années au lycée, les femmes sont plus nombreuses, pourquoi à la fin du cursus, elles redeviennent minoritaires? Il faut qu'on comprenne pourquoi. Ceci est vrai dans beaucoup de domaines, ceci est apparemment vrai au niveau pétrolier, pour aider tout ce potentiel des premières années universitaires à ne pas s'étioler, peut-être pour des raisons sociales. Elle a eu des enfants, elle a perdu des parents, c'est elle le pilier de la famille, ainsi de suite. Il y a souvent cela derrière, un mari qui ne veut pas qu'elle continue parce qu'il est très jaloux, ainsi de suite. Que ses potentiels puissent avoir toutes les chances d'arriver jusqu'au bout des études. Et ainsi, je suis sûr que nous rétablirons progressivement l'équilibre sans avoir à utiliser des méthodes de coercition ou des quotas, ainsi de suite, qui ne sont pas forcément des solutions heureuses. Écoutez, madame la DHSE qui est là parmi nous, j'ai dit, elle est maître de conférence, elle n'a pas fait de magie pour arriver là. Et donc, on va aider d'autres Congolaises qui ont le même potentiel à devenir des ingénieurs, des docteurs, des financières, des comptables, des informaticiennes au service du secteur pétrolier. J'ai beaucoup de femmes dans mon cabinet qui disent qu'elles sont très mobilisées pour ça. Et j'ai dit que je vais les laisser faire le primo travail. Et puis ensuite, nous, les ministres, on pourrait reprendre cela pour essayer de le faire adopter. Donc je crois qu'il faut des mesures très concrètes, mais il faut analyser les choses plus finement que le simple constat statistique. Monsieur le ministre, au nom de toute l'équipe de la réalisation et des journalistes qui sont sur le plateau, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à cœur ouvert, le secteur pétrolier congolais, défis et perspectives. Notre invité, c'était le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoi, que nous avons reçu sur ce plateau à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Au Congo, cette journée a été célébrée sous le thème « Un environnement de travail sûr et sain, principe et droits fondamentaux ». Sur ces mots, nous vous disons merci au nom de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission et on se retrouve à très bientôt. Merci.